résultats de ce premier tour, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête à 23,7%. Marine Le Pen est en deuxième position à 21,7%. Comment peut-on demander à nos concitoyens de croire en la République si certains se servent de l'un de nos principes fondateurs, la laïcité, pour leur dire qu'ils n'y ont pas leur place? C'est ce qui permet à chacune et chacun de croire dans son intimité, mais de pouvoir croire dans le respect plein et entier de toutes celles et ceux qui vivent autour de lui. Et donc il n'y a en France aucun monothéisme, aucune religion qui soit un problème. Habitude. Alors que pensez-vous du burkini, monsieur? Je l'ai dit très clairement, ça n'a rien à voir avec la laïcité parce que ça n'est pas culturel, c'est un sujet d'ordre public. Donc le burkini, je suis pour éviter, comme d'ailleurs le piège nous est tendu par celles et ceux qui veulent diviser la société, d'en faire un grand débat de laïcité. Je vais interdire les signes sensibles dans l'espace public. Oui. Non, vous n'entendez Madame pas que le voile est un acte de soumission de la femme. L'islam politique se sert en réalité des femmes et fait une pression incroyable sur beaucoup d'entre elles, précisément pour imposer cette visibilité de l'islam politique.